Lens a connu une ambiance survoltée lundi soir. Le duel amical des Lions indomptables du Cameroun face à ceux du Sénégal a attiré des milliers de supporters, tous assurés avant match d'en sortir vainqueurs. On s'attend à ce que les Lions du Cameroun gagnent ce match avec une aisance très remarquable. Il y a des Lions et des marsupilamis. Et lorsqu'on parle de Lions en Afrique, il y a le Cameroun. Après, ça s'arrête là. Il n'y a pas de Lions autre que le Cameroun. Le Cameroun, on les appelle les Lions indomptables. Il y a des Lions et c'est tout. Le coup d'envoi fictif a été donné par le fils de Papé Bouba Diop et la légende camerounaise Roger Mila. Une rencontre suivie par l'ancien Lensois El Hadji Diouf. Dans ce match, l'équipe sénégalaise a complètement dominé de bout en bout et a été récompensée par un pénalty inscrit à la 35e minute par Sadio Mané. En seconde mi-temps, les Camerounais ont semblé accélérer le jeu mais n'ont enregistré aucun tir cadré en 90 minutes. Résultat 1-0 et de la satisfaction pour le coach sénégalais Aliou Cissé. On venait de sortir d'une défaite. Il était important, je l'ai dit en conférence de presse, il était important pour nous de réagir. On se considère, en tout cas beaucoup de gens nous considèrent et nous aussi on se considère comme une grande équipe. Donc une grande équipe ne perd pas deux fois. Aujourd'hui je veux vraiment féliciter l'attitude, les comportements de mes joueurs. On doit finir vraiment ces matchs pour... finir les matchs tranquillement, parce qu'on ne sait jamais, avec les 1-0, on n'est jamais à l'abri d'une main, d'un contre son camp. Il faut vraiment qu'on apprenne, avec les deux matchs qui arrivent, à tuer les matchs pour arriver dans les meilleures conditions à la Coupe d'Afrique. Les deux pays se retrouveront dans la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera lancée le 13 janvier dans 5 villes de Côte d'Ivoire.